أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ طالبي شيخ مزيمو voilà de nouveau à votre émission Majlis al-Islam, étude islamique, présentée par votre serviteur, Serge Younous Diop, avec la collaboration technique de Serge Oumar Diop, ici avec khidmat.tv.net à Touba Tavet. Au cours de l'émission précédente, nous avions parlé des trois grands fondements de la religion d'Allah, savoir l'Iman, l'Islam ou l'Ihsan. Et l'explication claire que le prophète avait donnée de l'Islam à travers un hadith rapporté par le deuxième khalif du prophète Sidiam Omar radiallahu ta'ala anhu wa ardahu ونفعنا الله تبارك وتعالى بركاته. Nous avions cité les hadiths fondamentaux portant sur la niya, l'intention, sans laquelle aucun acte de dévotion n'est valide, sur la bid'a, l'innovation, qui écarte de l'orthodoxie islamique. Ensuite, sur l'acquisition des biens licites pour obtenir l'agrément d'Allah sur nos actes de dévotion. Nous avions dit que l'iman repose sur six piliers. Le premier pilier étant l'iman billah, ou la foi en Allah, la croyance à l'existence d'Allah. Aujourd'hui, nous vous parlerons de ce premier pilier de l'iman. Le premier pilier concerne donc la foi en Allah. C'est croire à son existence et à son unicité dans ses actes, dans ses attributs. Dans son essence. C'est croire aussi à sa différence, à sa dissemblance, à l'khilaf. C'est croire à sa singularité, à l'wahdani. Le Coran nous dit fa'alam innahu la ilaha illallah astaghfir li zanbik wa lil mu'minin sadaqallahu al-azim. Sache qu'il est l'unique divinité, en dehors de qui il n'y a point d'autre divinité. La connaissance d'Allah, comme vous le savez, est une nécessité pour tout croyant. C'est même un préalable pour l'adoration d'Allah d'une manière excellente.
ندير حديث على الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان c'est d'adorer Allah comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Khadim Rasul nous dit au préambule de Mawahib al-Qudus où les dons du très saint Allah qui traite du tawhid ou la science de l'unicité divine, je cite اعلم حباك الله رشدا وسعه كان الهنا ولا شيء معه. Sache que Dieu te guide, qu'Allah fut et que rien ne fut avec lui. وليس من شيء ولا فيه ولا في تحته ولا عليه تشجل. Il ne provient de rien. Rien ne le contient et rien ne peut le contenir. Rien n'est en dessous de lui. Il ne repose donc sur rien. Rien n'est au-dessus de lui, il n'est donc au-dessous de rien. Et il poursuit, toujours dans Mawahib al-Qudus, فَلَيْسَ مَخْلُوقًا وَلَا مَحْصُورًا وَلَيْسَ مَحْمُولًا وَلَا مَقْهُورًا. Allah n'est pas créé, il n'est pas limité non plus. Il n'est supporté par rien. Il n'est dominé par rien, alors qu'il domine tout. Comme le dit le Coran, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Khadim Rasul dit سُبْحَانَ مَنْ أَعْجَزَ خَلْقًا دَرْكُهُ وَشُكْرُهُ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكُهُ. Qu'il soit exalté. Nul ne le connaît d'une manière absolue. Nul n'en a la capacité. Nul ne peut lui rendre la grâce absolue qui lui sied. لا له مثل ولا زمن ولا له جنس ولا مكان. N'a pas de semblable. N'est pas lié au temps ni à l'espace. Il n'a pas de lieu fixe, de lieu de résidence. Il n'est pas limité dans l'espace. Et il poursuit, toujours dans Mawahib al-Qudus, les dons du très saint. فكل ما يخطر بالبال أبد بخلاف ذلك ربنا الأحد. Il est différent de tout ce que l'esprit humain conçoit. Il dit dans Tazawwud al-Sighar ou les Viatiques des jeunes, وَوَزُوْ خِلَافِنِ الْبَرِيَةِ مَعَهُ. Il est différent de tout ce qu'il a créé. Rien ne le ressemble. Le Coran dit plus loin, بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء صدق الله العظيم. Rien ne lui ressemble. خادم الرسول nous dit حمدا لمن بقدم قد انفرد ولم يلد ولا له كفوا أحد.
gloire à celui qui se singularise par son éternité, qui n'a point enfanté et qui n'a besoin de personne. Il n'a besoin d'aucune créature en quoi que ce soit. On renvoie à la sourate Al-Ikhlas où il dit لم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم. Après cette étude préliminaire faite par Khadim Rasoul dans le préambule de Mouhib al-Qudus, maintenant étudions les différents points qui traitent de la foi en Allah. Selon toujours l'enseignement de Khadim Rasoul, enseignement tiré de Tazawwud al-Sighar ou le biatique des jeunes, des adolescents, pardon. Al-Iman billahi ta'ala, la foi en Allah, ou croire en Allah, ou التصديق وجود الله أن وجود الله حق. C'est attester de l'existence d'Allah avec certitude. C'est croire à sa préexistence. وهو القديم, qu'il est l'ancien. الأول, le premier. Et qu'il n'a point de commencement. وهو قديم مالهو بداية. Il est l'ancien, le primordial, qui n'a point de commencement. ما كان في البرايا ذو قدم غير الله. En dehors d'Allah, aucun être n'a existé avant lui, qu'il soit exalté et qu'il puisse être la cause de son existence. Le Coran nous dit بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Il est le premier et il est le dernier. Il est l'apparent et il est le caché. C'est dire qu'il est le subsistant, ذو بقاء, qui n'a point de fin, ذو بقاء ما له نهاية. Que signifie cela? Cela veut dire que l'extinction de l'être divin est impossible. C'est une impossibilité. Khadim Rasoul nous dit dans Mouhib al-Qudus, Haqiqatul baqa'i salbul adam yal haqu lil wujud inda al-hikam. La signification réelle de la subsistance d'Allah, al-baqi, c'est l'impossibilité de son extinction après l'existence. Cela veut dire que rien ne sera plus. Quand rien, pardon, ne sera plus, lui, il sera. Dans la sourate de très miséricordieux, Ar-Rahman, Allah subhanahu wa azza wa jalla dit Kullu man alayha fan. Tout ce qui est ou tout ce qui existe s'éteindra et seul subsistera la face de ton Seigneur sublime, le détenteur de l'excellence, le détenteur de la grandeur. Coran de miséricordieux. Al-Iman Billah, la croyance en Allah, c'est aussi croire à sa différence avec tout ce qu'il a créé, comme il a bien expliqué dans Tazawwud al-Sighar. Comme il l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, il est différent de tout ce qu'il a créé, de par son naissance, de par ses actes, de par ses attributs. Au nom divin rapporté par les idrissides nous dit la tahdil uqul li wasfi azamati. Les intelligences célestes ou terrestres ne peuvent
concernait Allah. Car rien ne lui ressemble. Laisse que mislihi shay. Al-Iman billah, la foi en Allah, c'est croire aussi à sa suffisance. Il n'a besoin de personne, en quoi que ce soit. Il se suffit à lui-même. Wa zuhidan bin nafsihi. Il est celui qui se passe de toute la création. Quand il a créé ce qu'il a créé, il s'est détourné de ce qu'il a créé et a cessé de s'occuper de ce qu'il a créé. Comme le dit le Coran, « Si akursihu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma » Donc il n'a besoin de personne. Toutes les créatures célestes, terrestres ou entre les deux, par contre, ont besoin de lui. Il est Samad. Al-Iman Billah, croire en Allah, c'est croire qu'il est unique, qu'il n'a point de second pour l'aider en quoi que ce soit. Wahidun ma lahu ma in lahu min san. Il est unique, il n'a point besoin de second. Il est unique dans ses actes. Il est unique dans ses attributs, ses fêtes. Il est unique dans son essence. Zed. Lam yazal azim shan. Sa grandeur se manifeste dans toutes ses affaires quand il en décide. Personne, ni un ange rapproché, ni un humain, quel qu'il soit, ni aucune autre créature ne le seconde dans ce fait ou décide de faire. Malahu sanin fi zatihi ou fi wasfihi. Al-Iman billah, la foi en Allah, c'est croire aussi à sa puissance et à sa volonté. Ce qu'on appelle Al-Iman bi qudratihi wa iradatihi. Al-Qudra, c'est la puissance d'Allah. Ou Al-Irada, c'est sa volonté. Donc nous en arrivons à énumérer certains attributs nécessaires à Allah, qui en aucun cas ne peuvent lui faire défaut, et dont Sritouba Khadim Rasul, pardon, nous parle dans Tazawul Sirah ou le Viatique des adolescents. Quels sont ces attributs obligatoires à la divinité qui en aucun cas ne peuvent lui faire défaut? Al-Qudra, la puissance. Al-Irada, la volonté. Al-Ilm, la science. Al-Hayat, la vie. Al-Sam, lui. Al-Basar, la vue. Al-Kalam, la parole ou la verbe. Ces sept attributs ne peuvent faire défaut à Allah. Revenons aux deux premiers attributs, la puissance et la volonté, ou Al-Qudratu wal-Irada, qui sont en relation avec les possibles existants ou non existants. En effet, tout ce qui existe n'existe que par un effet de la puissance et de la volonté d'Allah. Le Coran dit innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu azza wa jal, quand il veut une chose, il lui dit soit et elle est. C'est-à-dire, dès qu'il veut l'existence d'une chose, ou quand il veut la sortir du néant,
et l'amener dans l'existence des choses possibles. Il suffit qu'il veuille, qu'il le veuille, et aussitôt, et par un effet de sa puissance, ces choses se réalisent, telles qu'il le veut. C'est pourquoi Khadim Rasoul dit dans Mouahib al-Qudus, « Qudratuhu, summa l'iradatu ma'a, ta'allaqa bil-mumkinati jama'a. » La puissance et la volonté, ces deux attributs d'Allah, sont dans leur ensemble liés avec la totalité de ce qui existe comme possible, comme possibilité. Car les possibles sont de deux catégories, selon Sayyid Touba, dans Mouahib al-Qudus, et de l'avis de tous les gnostiques al-arifina billah. Les possibles existants, voulus par lui, existent et qui existent de par un effet de sa puissance. Les possibles non existants, possibles de par sa puissance, cela veut dire qu'il peut les amener dans la réalité, les tirer du néant et les amener dans l'existence, mais qu'il ne le veut pas. Il en a certes la capacité, mais il ne le veut pas. Ce qu'on appelle les possibles non existants. Donc, il y a une relation entre ces deux attributs et les créateurs. Ensuite, il y a deux autres attributs qu'il qualifie comme étant les symboles de la perfection d'Allah. As-sifatul kamaliyah, les attributs de la perfection, à savoir lui et la vue. Le Coran dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير السميع اللجن البصير الفويان سلا سورة المعراج. Ensuite, nous avons Al-Kalam, le verbe. Le Coran dit Ba'douz billahi minash shaitan rajim, bismillahi rahman rahim. Wa kallam Allah Moussa taklima. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à Moïse de par son verbe. Il a parlé à Moussa, au prophète Moussa, alayhi salam. Pour mon Sinaï, selon la manière qu'il a voulu. Vous savez, comme le dit le Coran, Allah subhanahu azza wa jalla s'adresse à ses créatures selon trois modalités. Wahya, ou bil wahy, par la révélation. Ou min wara'i hijab, ou derrière un voile, ou des voiles. Ou bien, برسول يوحى بإذنه ما يشاء وقد envoyé qu'il aura choisi parmi les êtres célestes, les anges, et qui révèle à son serviteur ce que Allah a voulu lui réserver. Le Coran dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو المرة فصل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Voilà les trois modalités par lesquelles Allah سبحانه عز وجل s'adresse à ses serviteurs. C'est ainsi donc qu'il s'est adressé au prophète Moussa alayhi salam au mont Sinaï derrière les voiles tel qu'il l'a voulu. Ses attributs. Allah fut, il est
Et il demeure sans jamais cesser d'être savant, alim, vivant, al-hayy, voyant, al-sami, voyant, al-basir, parlant, al-lamam Moussa taklim. Il est dit, il a toujours été et il sera toujours digne de la puissance et de la capacité et de la volonté. Le contraire de ses attributs ne lui sied pas. C'est pourquoi Khadim Rasoul nous dit dans Tazawwud al-Sirar, je cite, « Wa annahu ta'ala tastahilu addadu zissifati wa tuhilu » Ses attributs sont le contraire de ces attributs que je viens de citer, qui sont au nombre de 7. Le contraire de ces attributs est indigne à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que il n'a jamais cessé d'être un savant, il n'a jamais cessé d'être vivant, audient, voyant, parlant. La capacité, la puissance et la volonté ont toujours été avec l'être divin, subhanahu wa ta'ala. Quels sont les attributs qui sont indignes à Allah, subhanahu wa ta'ala? Nous revenons à Tazawwud al-Sirar. Ces attributs sont Al-Adam, l'inexistence. Ça veut dire que Allah n'a jamais cessé d'exister, qu'il a toujours existé, et que rien n'a existé avant lui, et qu'il ne provient de rien, et qu'il sera toujours. Al-Hadas, être créé. Allah n'est pas créé, mais qu'il est le créateur. Al-Khaliq al-Bari al-Musawwir, lahu al-Asma al-Husna, sadaqa Allah. Al-Fana, l'extinction. Il ne finit jamais. Il ne s'éteint jamais. Tout le monde a les femmes. Tout ce qu'il a créé s'éteindra. Mais qu'Allah subsistera de par sa face sublime. Zuljalal wal Ikram, le détenteur de la grandeur et de la magnificence. Al-Tabassum, la ressemblance. Rappelez-vous, le Coran disait laisse que Misli Hishayou, rien ne nous ressemble. Sintuba dit Wawazu Khila finil bariyati ma'a. Je le répète. Il est différent de tout ce qu'il a créé. Al-Iftiqar, le besoin. Allah n'a besoin de rien et n'a besoin de personne. Ta'adout, la pluralité. Il est seul, wahid, unique. Al-Ajz, l'impuissance. Il est contrairement à cela. Al-Qadir, celui qui a la capacité de réaliser ce qu'il veut. Al-Karahat, la contrainte. Allah n'agit jamais sous le feu de la contrainte. Fa'adu lima yurid. Il est celui qui fait ce qu'il veut. Comme le disait le quatrième khalif du prophète, alayhi salatu wa salam, Ali ibn Abi Talib. Il n'a qu'à t'attaquer le ma'kacha. Il est celui qui fait ce que tu veux. Sans contrainte.
personne, la surdité, ne lui fiez pas. Le diable, l'ignorance, ne lui fiez pas. Pourquoi ? Pour beaucoup de chaînes alim, il est celui qui sait tout. Rien ne lui échappe. Le mort, la mort, ne lui fiez pas. Il est le vivant qui ne meurt jamais. Je vous renvoie à la sourate Ayat al-Kursi. Billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله en dehors de qui point de divinité et le vivant qui subsiste par lui-même وأنك الوجوه للحي القيوم صدق الله العظيم البكم le défaut de parole le mutisme le défaut ne sied par Allah. La cécité ne sied par Allah. Ou Samuel Basir, il est celui qui entend, il est celui qui voit. Dans la réalité de son existence, il n'a jamais été, il n'est pas, et il ne sera jamais l'expression de ses contraires qui ne lui conviennent pas. Allah est souverain. Sa souveraineté s'exprime dans ses actes, dans ce qu'il décide de faire ou de ne pas faire. Le Coran dit Bismillahirrahmanirrahim, la yus'alu, amma yuqal, wahum yus'alun. Nul ne l'interroge sur ce qu'il fait. Alors que les créatures seront interrogés de nous. Tout ce qu'il fait, il ne le fait que par devoir, il ne le fait pas par devoir, mais il ne le fait que par un effet de sa grâce, tel que la création de l'être humain ou autre. خلق الإنسان بنعمته, il a créé l'homme par un effet de sa grâce, simplement, mais pas par devoir. Allah subhanahu wa ta'ala n'agit pas par devoir ou par contrainte. Tout ce qu'il fait, il l'aura fait parce qu'il a voulu le faire. Donc, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le croire à son existence réelle, avec certitude. À sa primordialité, à sa subsistance, à sa différence, à sa puissance, à sa volonté. C'est croire qu'il est celui qui sait et que rien ne lui échappe, qu'il est le vivant qui ne meurt jamais, qu'il est le Verbe, parce qu'il a parlé à Moïse, au prophète Moussa, alayhi salam, au mont Sinaï. Et comme je vous l'ai dit, il ne convient pas de donner à Allah des attributs qui sont contraires à ces attributs-là que l'on vient de citer. C'est pourquoi, Serigne Touba, dans Tazawwud al-Sira, a commencé par nous donner un aperçu exhaustif du tawhid, ou la foi en l'unicité divine, Allah, subhanahu azza wa jalla. Cette étude que l'on vient de faire est certes une étude préliminaire au tawhid. Comme je vous l'ai dit dans l'édition précédente, le tawhid, c'est la science la plus utile et la meilleure des sciences de la vie de tous les savants. Consensus, ça. C'est pourquoi Serigne Touba nous dit dans Mouahib al-Qudus,
les dons du très saint, que l'acquisition du tawhid est fondamentale. Parce que celui qui possède cette science n'a plus besoin d'aucune autre science. Parce que c'est la science qui nous permet de connaître Allah et donc de pouvoir l'adorer comme il faut. Bon, Hadith célèbre nous dit que Allah, subhanahu wa ta'ala, dit que j'étais un trésor caché. J'ai voulu être connu. J'ai créé le monde. Donc la connaissance d'Allah est un préalable à l'adoration d'Allah. Car comment peut-on adorer Allah si on ne le connaît pas? Et la meilleure façon d'adorer Allah, c'est de l'adorer tel que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, les envoyés, le sceau de la prophétie, l'adorer. Mes chers frères talibés, mes chers frères musulmans, nous arrivons au terme de cette mission aujourd'hui. Incha'Allah ta'ala, le vendredi prochain, nous essaierons de vous parler de la foi aux anges, aux livres célestes et aux prophètes dans le même esprit, selon l'enseignement de Khadim Rasul, à travers Tazawudu, Sirat ou des biatiques des jeunes. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي إيمان آمنوا بربك فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا محمد انك حميد مجيد نسال الله ان الله يبارك فيك ويبارك فيك الحمد لله